Une surprise tombée à l'eau, grand succès de la précédente rentrée, quelle époque, revient ce samedi 9 septembre à 23h25 sur France 2 pour une deuxième saison. Pour ce nouveau volet du talk show orchestré par Léa Salamé, Christophe de Chavannes sera de retour sur le petit écran, tout comme Paul de Saint-Sernin et Philippe Cavé-Rivière, les atouts humour du programme. Invité sur les ondes d'Europe 1 dans Culture Média à la veille de cette première, l'ancien présentateur de La Roue de la Fortune s'est alors penché, un peu trop rapidement, sur les invités du jour. Il y a Jacques Weber, Léa, qui sera là aussi, a ainsi soufflé la vedette du PAF à nos confrères. Une révélation qui n'a visiblement pas plu à la moitié de Raphaël Glucksmann. Oui, mais justement, je ne voulais pas tout dire, mais il y a Jacques Weber, ainsi rebondit Léa Salamé. Et son acolyte de lui rétorquer, tout penaud, ah merde. Une gaffe que l'ancien binôme de Laurent Ruquier dans On n'est pas couché a finalement préféré prendre à la légère en déclarant au micro de Thomas Hill, on n'est pas encore au point. Et Christophe de Chavannes avait visiblement la langue bien pendue lors de cet échange puisqu'il a également révélé l'identité d'un autre convive de marque, on n'aura qu'à de Mérade. Et de se raviser quelque peu, voilà, je ne peux pas dévoiler le casting, je suis désolé. Trop tard. Léa Salamé satisfaite de sa collaboration avec Christophe de Chavannes ? Voilà désormais un peu plus d'un an que Léa Salamé partage l'antenne avec Christophe de Chavannes avec quelle époque ? Lors d'une interview accordée à nos confrères de Télécable Sat Hebdo, parue lundi 4 septembre, la journaliste de 43 ans s'était livrée avec honnêteté sur cette collaboration parfois marquée par des prises de bec, on se dit les choses. Point. On a un discours assez libre. On les a choisis, lui et Philippe Cavé-Rivière, car ils ne sont pas lisses. Je ne vais pas aller pleurer après parce qu'ils ont de la personnalité. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Coadic Guirec.